regardez, je l'enlève ici. Vous voyez la taille de ma longueur, voilà, la longueur de mon pied. Alors ça, à quoi ça sert? Pourquoi avoir un pied aussi long? Eh bien, lorsque je vais anticiper, voilà, je vais arriver ici. Vous voyez bien que quand je vais travailler, eh bien, la couture qui se passe ici, eh bien, mon pied, lui, va bien anticiper la surépaisseur de mon travail. Je vais avoir cette griffe d'entraînement, une hauteur de tissu, de pied de biche, je peux passer mon doigt dessous, d'accord? Ensuite, je vais avoir ce que l'on appelle les points de renfort et le point nœud. Oh, mais Madame Fabre, qu'est-ce que c'est qu'un point de renfort? Eh bien, tout simplement, je vais prendre un point droit, celui-ci, on va le prendre, et je vais lui poser, lui dire que je veux une marche arrière en début de couture et en fin de couture. Ma machine me fait 3 points avant, 3 points arrière. Elle avance et je peux lui demander de me refaire 3 points en arrière, mais j'aurais pu, et je vais vous le prouver, recommencer, je lui demande 3 points avant, 3 points arrière, et là j'ai décidé de lui faire un point 2. Et vous voyez que ma machine s'arrête en faisant plusieurs points sur le dessus. Vous constatez également que je ne tourne plus mon volant, j'ai tout à l'écran pour me permettre donc de relever mon aiguille facilement. Alors, je ne pense pas que vous puissiez le voir, hein, mais voilà, mon point de renfort qui est ici et ici, un point de nœud. J'ai un variateur de vitesse ici et je peux travailler avec ou sans la pédale. À cet effet, vous m'avez vu appuyer uniquement sur ce bouton qui va permettre donc d'avancer mon travail. Qu'est-ce qui va différencier une A16 d'une A150? Bah, évidemment, bien sûr, c'est le confort. Je ne vais pas rouler de la même façon avec une petite voiture, vous savez, les petites, toutes petites voitures que l'on peut prendre sans même de permis, comme une Cadillac, c'est évident. Bien sûr, le moteur sera exactement le même. Vous n'aurez pas plus de puissance sur une A150 que sur une A16. C'est exactement la même coque. Ce qui va différencier, c'est donc un petit peu votre niveau. Ce que j'expliquais en début de couture, c'est la A16 ou la A150, vous resterez dans ce qu'on appelle chez nous la découverte. Mais bien sûr, avec la A150, vous allez partir dans des chemins de création. Voilà, par exemple, voyez ici des travaux que l'on a fait avec des points décoratifs et des fils fantaisie. Toutes, bien sûr, auront ce que l'on appelle les points de surjet pour faire vos propres thés. Nous aurons un pied spécifique pour le faire et nous aurons un point spécifique pour le faire, bien sûr. C'est un point que l'on va détourner du surjet pour pouvoir travailler plus facilement toutes ces matières qui ne peuvent pas être d'abord surfilées et ensuite assemblées. Bien évidemment, aujourd'hui, il n'est plus question de me dire « Est-ce que la boutonnière est en automatique ?» Ben, évidemment, j'ai juste à prendre mon pied. Vous voyez avec quelle facilité je retire ma semelle. Je vais juste prendre mon pied boutonnière ici. Voilà. Je place mon bouton à l'arrière afin qu'il détermine la longueur de ma boutonnière. Je vais juste placer mon point ici. Je vais mettre mon fil supérieur sous le pied de biche, bien sûr. Je vais évidemment aller chercher une boutonnière, une des premières sur la A150 qui est ici. Et de suite, je vais vous montrer une des spécialités de la A150 qui est bien sûr de pouvoir lui dire « je vais couper mon fil ». D'accord? Donc, une fois que j'ai commencé, je n'ai plus qu'à appuyer ici. Et vous voyez que ma boutonnière va se faire toute seule. Alors, je vais essayer de vous la pencher un petit peu. C'est des machines qui, bien que légères, pèsent un poids pour avoir une stabilité sur la table. Voilà. Ma machine fait un point d'arrêt, bien sûr. Et sur le modèle de A150, elle va me couper le fil. Voilà. Donc après, je n'ai plus qu'à ouvrir ma boutonnière. Ça, c'est ma petite astuce. Hein. Je ne sais pas celles qui connaissent. Voilà, avec l'ouvre-boutonnière. Ça, c'est une petite astuce que nous aimons bien vous présenter lors de nos formations. Voilà. Au niveau des tissus extensibles, bien, nous les passerons, bien sûr. Alors, hop, j'enlève ma semelle. Vous voyez avec quelle facilité je l'enlève. Je lui remets une autre semelle. Je vais bien sûr pouvoir travailler
les points élastiques. Admettons que nous prenions le point, allez, le point 35, si on veut. Voilà, on va lui enlever sa marche arrière et je vais travailler. Vous voyez que ma machine, sans la pousser, prendra son tissu de façon toute simple. Voilà. Alors, les machines, vous me dites souvent, oh oui, mais les points, à quoi ça me sert? Je ne vais pas les faire, etc. C'est vrai que on a souvent l'habitude de se dire, ben, je vais faire le point droit, la boutonnière, un zigzag, voilà. Mais c'est justement, ces machines ont justement la possibilité de vous entraîner sur des chemins que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Un simple fil va vous permettre de changer le motif. Vous allez faire, par exemple, pour Noël, des petites sacs et vous n'aurez juste qu'à mettre un point fantaisie et tout de suite, ça va donner une autre allure. Vous achetez ou vous faites votre chemisier, vous avez quelquefois des chemisiers qui ne coûtent pas très cher, mais vous avez envie de lui donner votre petite touche personnelle. Ajoutez un point fantaisie, un fil fantaisie et tout de suite, vous allez lui donner une autre dimension. Donc, ce soir, on m'a demandé de vous présenter la série A. Est-ce que éventuellement j'ai des personnes qui me poseraient des questions ou j'aurais... Voilà, alors par écrit, on me dit que vous pouvez poser des questions afin que je puisse y répondre, on me les transmet. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, que dire d'autre sur ma série A? Je vous ai parlé, donc l'enfil de la canette va se faire facilement, je n'ai plus de débrayage comme sur certaines machines. Je l'aime bien, voilà, elle est simple. Elle a une bonne taille pour démarrer la couture. Maintenant, vous venez me voir en me disant « oui, mais j'hésite ». Alors, la série A, elle a un entraînement, je dirais, c'est un peu technique là où je vais rentrer, mais c'est souvent vous me posez la question « et l'entraînement ?». La série A, c'est une machine, je dirais, pour la découverte de la couture. On veut se lancer un peu dans la couture avec quelque chose qui tienne la route. Pas de souci, allez-y, je vais y passer, je ne vous l'ai pas montré, mais mon cuir, je vais y passer mon jersey, je vais y passer ma mousseline, je vais vraiment tout passer. Maintenant, on pourrait maintenant passer sur la série F. C'est cette machine-là. Alors, je vais essayer de vous les présenter un petit peu l'une en face de l'autre. On a déjà un espace plus important sur ma série F, ici. Mon volume un peu plus grand. Alors, hop, on va prendre le câble ici. Voilà. Bien, on change un petit peu de look. Plus d'espace de travail, une plaque métallique. On s'adresse déjà à des personnes qui ont la possibilité de se poser et qui veulent quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, on va être un peu plus dans le confort. Mais c'est surtout qu'on ne va pas du tout avoir le même entraînement. En fait, sur la série A, je vais avoir ce qu'on appelle un entraînement rotatif. C'est-à-dire que votre crochet tourne dans ce sens. Et vous avez le tissu qui avance. Donc, forcément, à un moment donné, votre tissu est dans le vide. Avec la série F, on va passer dans ce qu'on appelle un entraînement SFQS. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, par exemple, les machines industrielles, vous savez, vous les voyez, oh, ça roule, ça dépote. En fait, elles ont un entraînement, ce qu'on appelle rectangulaire. Donc, vous avez vos griffes qui vont travailler dans ce sens-là. Donc, le tissu sera toujours soumis à entraînement. Donc, vous avez une meilleure adhérence au niveau de votre tissu par rapport à vos griffes. Donc, ça, c'est déjà un très gros point pour la série F. On aura bien sûr les mêmes pieds, les mêmes accessoires. Ce qu'on va avoir de très important par rapport à la série F, c'est un petit bouton qui est ici. Alors, bien sûr, en parlant de petits boutons, ça, c'est mon premier live, alors il faut m'excuser un petit peu. J'ai oublié de vous parler de quelque chose qui vous ennuie prodigieusement. Il s'agit de notre tension.
combien de clientes viennent nous voir en disant, oh, mais alors surtout pas de tension. Rassurez-vous, aujourd'hui, grâce au fil que vous utilisez, on ne touche plus les tensions de fil. On adaptera son point à son tissu. Et tout ça, nous le voyons en formation. Ma série F, elle, va bénéficier d'un bouton que je vous engage vivement à modifier selon la texture de votre tissu. En effet, on a vu sur ma série A que mon jersey passait. Mais problème, si j'appuie de la même façon sur mon tissu, qu'il s'agisse d'un coton, d'un jersey, d'un cuir, que sais-je, je n'ai pas du tout le même résultat. Si mon jersey a la même pression que mon coton, que va faire mon jersey? Il va s'étirer. C'est pourquoi dans la série F, catégorie, je dirais, de clientes un peu expérimentées, nous allons avoir ce que l'on appelle la pression du pied de biche. Et ça, c'est très très important parce que vous allez pouvoir alléger l'écrasement de votre pied de biche sur votre tissu. Ainsi, le jersey va passer tranquillement et vous n'aurez pas ce que l'on appelle les gondoles à Venise. Vous voyez, on peut voir l'essai. Alors, ce n'est pas très facile à voir à la vidéo, mais je peux vous garantir que lorsque vous venez en magasin, c'est vraiment quelque chose qui vous fait « waouh ». La série F, vous voyez qu'on a sensiblement la même présentation. Ce qui va être un petit peu différent, c'est par rapport à la A150, plus de confort et d'accessibilité à certains éléments. Alors, je vous montre un petit peu la série F. Alors, je sais, si j'ai des confrères qui me regardent, c'est un modèle que nous aimons beaucoup, beaucoup vendre chez Brother. C'est une machine qui nous semble très, très complète, en fait. Voilà. Alors, je vais couper mes fils qui sont là. D'où l'intérêt d'avoir un coupe-fil quelquefois. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose de très, très sympathique. Alors, pour autant, je vais changer mon fil parce que j'aime bien travailler avec des fils un petit peu fantaisie, comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il donne une petite touche à mes points. Alors, ce que je vais vous montrer, bien sûr, c'est exactement la même chose sur la A150. Vous voyez mon enfilage, vraiment quelque chose de très aisé. Hop, hop, j'ai mon aiguille qui s'enfile vraiment très facilement. Alors, vous voyez que vous avez vos points. On va retrouver la similitude au niveau des points utilitaires. Je dis bien points utilitaires. Ici seront les points fantaisie. Alors, à 16, à 50, vraiment débutant. À 60, à 80, une coque rigide, on est un petit peu plus et on ira un peu plus loin. À 150, à 150 et série F, c'est une frontière un petit peu sinueuse, je dirais, un petit peu particulière. Outre le fait que vous avez plus d'espace sur la F et que vous avez un entraînement, les points seront similaires. La créativité sera la même. On a un peu plus de force de pénétration sur la série F. On est quand même sur une gamme supérieure. Maintenant, vous avez un ouvrage à faire. Et vous savez que lorsque vous utilisez un point fantaisie, ce qui vous agace le plus, c'est que souvent, moi je voyais ma mère, elle tournait le volant délicatement pour arriver à la fin du motif afin que mon motif ne soit pas à moitié estropié. Donc pour cela, je vais aller dans mes compositions. Je vais aller prendre un motif que vous aimez beaucoup, le point 25. Pourquoi le point 25? Vous ne pouvez pas forcément le voir, c'est une arcade. Mon arcade, je vais la faire, voilà, hop, je vais lancer mon ouvrage. Vous voyez que je travaille facilement. J'ai un très bon entraînement de mon tissu. Je vous rappelle que je travaille sans pédale.
Maintenant, je vais lui dire que je veux m'arrêter afin de pouvoir tourner à un angle parfait. Ma machine, vous voyez qu'elle s'arrête toute seule. Je n'ai plus donc qu'à lever mon pied de biche, à tourner avec un angle. Je rappelle que je peux m'aider ici de mes lignes et je peux repartir pour lui faire, par exemple, qu'un seul motif. Il va s'arrêter également jusqu'au bout. Je lève mon pied de biche, je tourne, je m'aligne donc par rapport à mes repères. Et là, je vais lui dire par exemple que j'en veux deux. Alors, si je ne suis pas trop fatiguée, voilà, on va peut-être y arriver. Voilà. Oserais-je faire un accord parfait? Alors, je vous invite, quand on fait ça, on trace des traits, on s'applique et on est le nez devant le guidon. Voilà. Donc, hop, je vais essayer. Alors, je vais tricher un tout petit peu. Ah, Madame Favre. Bon. Alors, est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas droit du tout. Mais ce que je voulais vous montrer, j'ai des angles parfaits. Vous voyez? Ici, ça va vraiment s'arrêter de façon nickel. D'accord? Voilà. Donc après, bien sûr, vous me dites, oui, c'est gentil. Vous avez des enfants, pourquoi ne pas s'amuser dans ces cas-là à mettre une initiale? On va faire 0,1 et puis 0,2 pour faire AB, bien sûr. Et puis maintenant, vous avez envie de lui mettre un petit cœur. Eh bien, bien sûr, vous allez pouvoir vous amuser. Voilà. Elle m'indique qu'elle est en train de faire la deuxième lettre. Et je ne suis pas du tout puriste puisque je n'ai pas adapté ma semelle au point que j'étais en train de faire, alors que Brother m'indique, Madame Fabre, mettez la semelle N. Voilà, mais Madame Femme ne l'a pas fait. Voilà, voyez? Donc, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon petit cœur. Bien sûr, je vous ai pris un fil, j'espère que vous le voyez, qui est très flashy. Voilà, d'accord? J'aurais pu, bien sûr, si j'avais une composition, la mémoriser. J'ai ma fonction double aiguille afin de lui dire, ben voilà, je vais repasser ici sur ces points-là. Et si je veux faire un point, admettons le point 33, et je lui demande une double aiguille, elle va donc savoir que je vais le faire en double aiguille. Mais admettons que je veuille faire le point 58, ma machine m'indiquera, Madame Fabre, le point 58 étant une boutonnière, vous ne pouvez absolument pas faire avec une double aiguille. C'est évident. Enfin, voyons. Je rappelle, la petite aiguille, la double aiguille, vous avez plusieurs écartements pour celles qui ont déjà des machines à coudre. Et elle vous permet de faire deux tracés identiques. N'hésitez pas avec des machines de 7 mm de large comme nos Brother à aller jusqu'à du 6. Bien sûr, c'est un écartement. Puis après, vous rentrez les unes dans les rangées, ça fait très très joli. Voilà. Que pourrais-je donc vous dire d'autre sur mes machines? Que je les aime, bien sûr. Que nous en avons un petit peu en stock, bien sûr, et que le but pour moi, c'était de vous les présenter et d'entendre un petit peu les questions que vous auriez à me donner. Est-ce que j'ai des personnes en visio, éventuellement, qui voudraient intervenir? Alors, je crois qu'on vous remet le micro. Est-ce qu'il est possible d'avoir maintenant les personnes, s'il vous plaît, en... Voilà. On va vous donner, alors juste... Alors, il faut que je vous explique. Lorsque vous prenez la parole, il faut le faire de façon très ordonnée parce que sinon, je ne vais plus rien vous entendre. Activez donc votre micro, je crois, pour que je puisse vous entendre. Alors, pour l'instant, comme on est en train de vous réactiver, je vous montre là les points que vous allez faire avec la A16.
Donc, l'ourlet invisible, le surjet, les points droits, les zigzags, les boutonnières et un point d'applique. Deux points de décoration. Oui, alors, je crois que j'entends quelqu'un. Est-ce que je... Là, tu vous entends, madame? Madame Ansart, alors, c'est la F410 que je vous avais présentée. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours dans le même esprit puisque c'est Brother qui fabrique. On aura le même système d'enfilage, les mêmes canettes. Pas de souci. Mais voyez que c'est une... Bien sûr, Madame Sansard. Le point de bourdon, ce n'est ni plus ni moins qu'un zigzag dont vous allez réduire la longueur de point. Alors, la 420 va bénéficier en plus de la genouillère. Ouais. La genouillère, c'est ce qu'on appelle chez nous la troisième main. Oui, oui, oui. Voilà. C'est un peu, à peu près la grosse différence que vous allez avoir. Et bien sûr, encore plus de points. L'écran a l'air quand même plus grand. Le tableau de bord a l'air un peu plus grand. Ah ben oui, puisqu'il y a plus de points. D'accord. Alors, après, c'est exact. Elle ne fait pas trop d'œuvres. Ah non! Ah non. Non, 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 mais j'en veux pas, moi, j'en ai une. C'est une machine à coudre. D'accord, très bien. Et elle est beaucoup plus chère que la 410. Alors, ça, je vous répondrai en privé parce que je n'ai pas notion des tarifs. Je ne fais pas les tarifs ce soir. C'est mes collègues ou en privé, pour tout le monde. Alors, vous conseillez, moi, ça fait longtemps que je suis chez une 420, moi. Oh, la 410 me semblera largement suffisante, Madame Ansart, pour ce que vous faites. Oh oui. Vous avez aussi la machine à broder, hein, pour pouvoir faire tout. Ah ben, j'ai la surpeinture et la brode de bois. Voilà, je pense que la 410 sera intéressante pour vous. Bon, d'accord. Ben, je vous remercie. De rien, plaisir de vous avoir vu. Merci. Oui. Portez-vous bien, en tout cas, portez-vous bien. Oui, oui, merci beaucoup. Merci, Madame Ansart. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Ah, allô, allô? J'ai l'impression d'être à la radio. Est-ce que je peux reparler de machine ou autre? J'ai besoin d'avoir des questions. Est-ce que l'on a des questions écrites qui pour... Alors, on me dit que j'ai été un peu vite sur la A150. Alors, hop, je repars. Alors, série A, je reprends, d'accord. La série A, vous avez un certain nombre de modèles. La série A16, A50, A60, A80 et A150. Pour moi, la A150, j'ai une question? Ah, la A150 est vraiment une machine à part, je dirais, puisqu'elle va se ressembler énormément au niveau de la conception de ma série F410. Sur la A16, la A50 et la A60, c'est une machine qui va vous permettre de faire les points de base, comme je vous l'ai montré, les boutonnières automatiques. Selon les modèles, vous aurez plus ou moins de points utilitaires et décoratifs. La A60, à partir de la A60, j'aurai une coque rigide pour mettre sur la machine. A16 et A50, une housse en plastique. Alors, pour en revenir à nos fameux points, ici, ce seront les points de la A16, mes boutonnières, mes points décoratifs, le zigzag, le surjet, l'ourlet invisible, les boutonnières automatiques. Si je monte sur la A50, j'aurai à nouveau un peu plus de boutonnières, un peu plus de points. Et si je vais sur la A60, c'est 60 points, donc plus de boutonnières, quelques points décoratifs en plus et une coque rigide. À partir de la A150, je vais avoir ce que l'on appelle la composition des points. Je vais donc, comme sur ma série F tout à l'heure, pouvoir multiplier mes points entre eux. Je retourne ici sur les modèles que j'ai choisis. Je vais par exemple m'amuser à prendre tout simplement le 0,1.
Je vais très bien avoir par la suite. Non, ça va pas être très joli le 0, hein. Vous n'allez pas avoir grand-chose. On va faire une petite voiture. Voilà, 17, d'accord. Et je peux très bien. Alors, hop, 17. Je voyais mes petites voitures. Et puis maintenant, j'ai quelqu'un à l'appareil? Non? J'écoute, madame. Ah, dites-moi s'il y a une question à me poser. Vous voulez me poser une question, madame? Non, pas encore, merci. Je vous en prie. Là, je vais. Alors, voyez, par rapport à ma F410, je vais plus avoir des petites touches à faire. Ici, donc, je vais repartir dans ma composition. Je vais donc aller ici faire mes motifs. Je peux les faire en répétition, comme ici sur mes trèfles. Et je peux très bien lui dire, je n'en veux plus qu'un. Je peux lui programmer mon coupe-fil également. Et vous voyez, j'ai ma petite voiture et ma lettre A. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va différencier ma F410 de ma A150? Guerre de points de différence. Son entraînement supérieur sur la série F. J'ai quelqu'un? Voilà. Et son entraînement et sa pression du pied de biche. Donc, si vous faites beaucoup de jersey, de tissu extensif, que vous n'avez pas de surjeteuse, passez sur une série F. Si vous avez envie d'une machine qui vous permette de faire des points, vous avez envie, voilà, c'est la dernière, vous n'avez plus envie de changer, A150. Vous démarrez dans la couture. Vous avez un budget raisonnable, A16, A50. A60, c'est une coque rigide en plus, je vais pouvoir l'emmener un petit peu partout. Et A150, c'est la Rolls de la série A. Voilà. J'aimerais bien avoir quelques questions, car je connais bien mes machines, mais si on ne me pose pas de questions, je ne vais pas pouvoir reparler plus longtemps. Allô, allô? F410, 70 points en couture traditionnelle, plus 31 en couture décorative et plus l'alphabet en trois typos. D'accord. Ce sont des modèles qui sont intégrés dedans. Oui, tout à fait. Alors attention, ça n'est pas la typo, on ne peut pas la modifier comme on pourrait le faire avec une brodeuse. D'accord. Vous qui avez une machine à broder, vous n'allez pas forcément utiliser la typo. La typo, je vais l'écrire, l'alphabet, je vais l'utiliser pour vraiment marquer un petit torchon. Vous savez, ouais. Quand les enfants partent en camp ou que vous êtes dans des activités collectives, vous devez apporter un torchon. Voilà, c'est l'exemple type. Hein. Vous allez chiffrer où les familles nombreuses vont pouvoir plus personnaliser pour éviter les différenciations. Alors, pourquoi tu me donnes ça? Ah, le nombre de points. Alors, la fonction couture, on en a 100, Madame Mansart, avec la F410 et on en aura 140 avec la F420. Voilà. Oui, voilà. Bon. C'est déjà pas mal, 100. Hein? Vous en avez un stock des 420 quand même. 420, alors, on va être très, très honnête. On a vraiment de l'approvisionnement pas très facile. Brother n'est plus dans la capacité de nous donner des délais très, très sérieux. Donc, tout ce que l'on a, je pense que les personnes qui vous suivent sur les réseaux vont vous dire ce qu'il y en a, ce qu'on a en stock, ce que l'on va recevoir. Après, il faut juste, et là, c'est, je ne vais pas faire les chaudières, hein, puisque Monsieur le Président va nous parler après. Il faut juste soutenir l'économie de nos magasins, nous faire confiance, puisque notre fonds de commerce, c'est bien la vente de machines à coudre.
Nous sommes les premières victimes du succès des machines à coudre puisque les productions n'ont pas pu suivre, l'acheminement n'a pas pu suivre et que voilà, toutes les personnes qui nous font confiance, qui font de la précommande, bien sûr, sont prioritaires. Brother n'annonce pas de retour général avant mars. Dites-vous bien que quelquefois, je reçois aujourd'hui les commandes que j'ai passées en juillet. Donc voilà, il faut juste que tout le monde joue le jeu. Et voilà, c'est... Voilà, là, je ne peux pas vous dire. On reçoit. Alors, quand on reçoit, c'est déjà Noël pour nous. Mais voilà, il faut soutenir les commerçants de ville. Alors... Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 11 ans que je tiens ce magasin, que j'ai développé avec différentes équipes. Je travaille en famille puisque j'ai mon fils à mes côtés. Je suis une passionnée. Voilà. J'aime aller au bout des choses. J'aime trouver les réponses. Je crois que Madame Ansart, puisque vous arrivez à prendre la parole. Nos machines, vous avez le choix de les prendre avec ou sans le packaging magasin. Selon certains modèles, je vous encourage vivement à prendre ce package parce qu'il va vous permettre d'aller au fond des choses et non pas de vous contenter vraiment de petit. On est là à vos côtés, on vous accompagne, on vous soutient dans des idées, dans des projets. On va vous pousser un petit peu en vous donnant des idées. Maintenant que nous avons découvert la visio, nous allons certainement vous faire des petits ateliers sur des pieds. C'est déjà en route, c'est déjà fait, les cours, nous avons déjà assuré depuis le début de la semaine dernière nos cours en visio et nous avons eu voilà, des échos positifs. Ça ne peut pas remplacer non plus le présentiel. Hein. C'est... Moi, je suis un peu frustrée de parler à une caméra, je peux vous le dire. Mais celles qui me connaissent savent bien. Mais voilà, il faut prendre son temps, mais en même temps, si vous êtes décidé sur un produit, n'attendez pas en disant « oh ben je vais attendre », etc. Vous n'aurez pas de meilleur prix. Alors, il faut déjà vous dire que sur tout le monde a le même prix de base. Et après, c'est le service après-vente. Donc, c'est notre leitmotiv. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc, si nous pouvons rester existants sur Paris, dans un grand magasin, c'est parce que nous continuons à vous former. Alors, on a des questions. Alors, j'écoute. Alors, les motifs de couture, ce ne sont pas des broderies. Donc, vous n'allez pas pouvoir modifier la taille. Attention, ce ne sont pas de la broderie, c'est de la couture. Donc, il faut savoir que la machine à coudre, elle va toujours, je dirais, nord-sud. Alors que ce que vous pouvez trouver sur les brodeuses, elles vont dans la multidirectionnelle. Donc, ces machines-là, hein, série F et série A, n'ont pas de multidirectionnelle. Pour obtenir des tailles différentes, il vous faudrait aller sur des séries 1300 ou plus encore. Voilà, qui ne sont pas le propos de ce soir. Alors, la F460, ben c'est le nombre de points. Ça va être la tension, les points décoratifs et la pression du pied de biche qui sera électronique. Ça, c'est surtout important. La F460. La F420, on aura une tension, comment je vais vous dire ça on aura moins de points de couture, c'est tout, et la genouillère. On n'aura pas de tension électronique. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, la 460, elle va commencer à avoir du multidirectionnel en quatre directions. C'est-à-dire que vous pouvez aller d'en bas, de droite et de gauche. J'appelle le vrai multidirectionnel, ça sera à partir de la 1300. On n'en parle pas ce soir parce que sinon je vous perds. Si vraiment vous avez envie de passer sur du multidirectionnel, allez sur la 1300 qui là pour le coup va vous donner des lettres en 14 mm de large. Donc ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. D'autres questions ? Bien sûr, madame. Il suffira d'enlever vos griffes, d'accord ?
Alors ça, c'est un travail que j'aime beaucoup. Vous voyez, derrière moi, j'ai un patch. Et vous utilisez ce pied qui n'est pas fourni. Donc, vous voyez, il est sur ressort. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai fait une démonstration de piqué libre. Voilà. Donc, c'est simplement que vous mettez un pied, vous utilisez, et c'est à vous de déplacer votre ouvrage. Non, moi, j'en mets pas de cercle. Non, non, non. Alors, c'est mieux. C'est plus facile pour vous. Ouais, c'est plus facile. On n'a pas besoin de mettre un fil nylon dessous. On laisse avec un fil à ma tête. Ah oui, surtout pas le fil nylon. Alors, j'ai un problème de main. Alors, attendez, hop. Mon pied là. Tu me le mets. Voilà. Donc je vais me mettre ici, hop, je vais repasser en motif point droit. D'accord. Donc je vais prendre mon point droit ici. Je vais prendre mon fil. Je prends mon travail. Voilà. Alors, c'est encore une fois une question de tempo. Ce que j'aime bien chez Brother, donc là, vous ne pouvez pas voir sous la table, mais je n'ai absolument pas de pédale. Pour le coup, j'ai besoin de mes deux mains lorsque je vais faire mon piqué libre. Je vais pouvoir bloquer mon curseur à la vitesse que je souhaite. Je peux donc poser mon pied sur ma pédale. Mon ouvrage, ma vitesse n'ira jamais au-delà de ce que j'ai mis comme tempo perso. Et du coup, je vais pouvoir déplacer mon travail. Donc là, c'est plus judicieux parce que la pédale, en fait, hein. Oui, moi j'aime bien. Oui. Vous avez quoi comme machine, madame? Moi, j'ai la 150. Eh bien, voilà. Et vous êtes madame? Judicieux. D'accord. Ok. Parce que je vois Galaxy Tab A. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'êtes pas très causant, c'est très impressionnant pour moi. Sinon, je dois poser une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment choisir les coins en cuisine, comment les juxtaposer pour en avoir plusieurs sur une ligne? Très simple, très très simple. Donc, on va par exemple sur le bouton que vous avez ici. Donc, on va vous dire qu'on va changer de machine. On fait OK. D'accord. Et ensuite, vous allez chercher les points, vous les numérotez et les uns après les autres, ils s'ajoutent. D'accord. C'est tout simple. Brother, c'est vraiment des machines très intuitives. Sauf juste sur un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Oui, bien sûr. Toutes nos machines ont la fonction double aiguille, bien sûr. Et vous aurez un message d'erreur si vous utilisez la double aiguille avec un point qui ne va pas avec. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. J'ai une question. Je vous en prie. Je voudrais savoir si les machines Brother sont livrées avec un DVD explicatif ou un manuel, certes, mais ou un DVD. Non. Ouais. Alors, les DVD sont livrés sur les surjeteuses. Ça sera l'objet d'une de prochaines réunions. Non. Le livre est très bien expliqué, bien sûr. Et puis après, ben, je vais prêcher pour ma maison, moi. Nous faisons les formations, bien sûr. Voilà. Alors, même si... Okay, voilà. Oui. Merci. De rien. Portez-vous bien. Merci, vous aussi. D'autres questions? On arrive bientôt au terme de notre présentation. Est-ce que je pourrais avoir d'autres personnes? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui pianotent. Voilà. Alors... qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, vous voyez que je peux même travailler sur des tissus. Je ne sais même pas si vous les voyez.
qui sont excessivement fins. Voilà. Il faut juste trouver les supports que l'on souhaite. On a brodé également sur les rubans sergés. Hop. Voilà. Il faut vraiment... Pardon ? Bien sûr, la soie. J'ai malheureusement pas tout à fait les moyens de me trouver de la soie. Donc, je suis toujours preneuse des petites chutes. Voilà. Des petites chutes de tissu que vous pourriez avoir besoin. Donc, vous n'avez plus besoin. Alors, personne ne veut intervenir. Madame, est-ce que vous y êtes bien arrivée? Là, je vous vois. Madame Simon, je crois. Oui, voilà. J'ai bien suivi. J'ai suivi vos explications. Avez-vous des questions à me poser? Pas de questions vraiment, non, mais un beau choix à faire. Un choix à faire quand on vous entend. Je pense que la F410 est plus évidente que. Si je dois choisir, je pense que je choisirais la F410. Qu'est-ce que vous faites comme couture, madame? Plutôt de la broderie. Plutôt de la broderie. Vous avez quoi comme machine à broder? Très belle marque. Très, très belle marque. Il y a quelques années que vous l'avez. Oui, ça fait des années. Oui, c'était des très, très belles marques. Très, très, très belles. En machine à coudre, si vous faites beaucoup de broderie, voilà, c'est vrai que selon les matières que vous allez utiliser, encore une fois, je dirais que si on fait que du classique, la série A va convenir. Si vous allez surfer un petit peu sur des matières un peu particulières, beaucoup de mailles, des épaisseurs, allez effectivement sur une série F avec la pression du pied de biche. Oui. Voilà. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous voulez qu'on vous fasse les propositions spéciales de ce soir. Oui, vous envoyez un petit message, puis je me permettrai, oui, vous répondre, ou moi, je me permettrai de vous rappeler demain matin pour voir ce que je peux répondre à d'autres questions que vous auriez en privé. Voilà. Je vous en prie, portez-vous bien en tout cas, et merci d'avoir assisté à ce live en direct. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Eh bien, je vais m'arrêter là, puisque je n'ai pas d'autres intervenants. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées si vous souhaitez que je vous rappelle. Bien sûr, toutes nos machines que vous commanderez ce soir bénéficient d'offres spécifiques avec des cadeaux. Ah, même en ça, en privé. La F410 et la F420? Oui. J'en ai parlé avec votre fille. Ben, je sais. Donc, après, c'est le ministre des Finances qui va parler. Mais oui. Voilà. Savoir un petit peu où vous voulez aller. Voilà. Je crois que le Père Noël, voilà. Ça, c'est en privé. Oui. D'accord? Voilà. Demain, nous ferons une autre présentation qui sera sur les... Merci madame. Sur les Bernina, c'est un autre monde, d'autres demandes, d'autres attentes, d'autres exigences. En tout cas, on démarrait par la marque la plus couramment vendue chez nous, Brother, avec nos deux petits modèles fétiches. Je vous les relaisse voir l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer l'espace d'évidement, l'espace de travail entre la série F et la série A. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ce premier live. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous rappeler demain ou à nous envoyer par Facebook vos questions. Je me permettrai de vous rappeler. Portez-vous bien et je vous laisse écouter notre président de la République pour nous annoncer, nous l'espérons bien, votre possibilité de venir nous retrouver en magasin. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.